Вот. Свет. Delphes. Des lettres des pierres, des lettres gravées sur les pierres, florilège de noms des personnes du passé. Pas de fonction commémorative ici. Ces noms, prénoms, pseudos ou simples croix désignent les esclaves affranchis. Des gravures, signes de liberté, liberté des corps en relais de force, des milliers d'humains libres de mouvement et de pensée. Delphes, où l'on venait acheter sa liberté et inscrire sur les pierres du temple d'Apollon sa signature, pour que jamais plus on ait à se soumettre. Des pierres à texte donc, mais aussi des prophéties, des paroles oraculaires qui devaient orienter toute une vie de héros de la mythologie, de rois ou de simples paysans. Comprenez bien que Delphes, il y a des milliers d'années, c'est le centre du monde. L'omphalos, le nombril du monde, évoqué par cette sculpture rhomboïdale, matérialise ce point. Le centre du monde, qui a reçu toutes les offrandes possibles et imaginables, d'une simple chèvre sacrifiée sur un autel aux sculptures d'or, d'argent et d'ivoire. Delphes, lieu de tous les rassemblements et de tous les trésors. Les trésors grecs, sorte de petits temples érigés par chaque région ou cité prospère, servent à remercier les dieux. Athènes, Syphnos, Naxos et tant d'autres ont donné ce qu'elles possédaient de plus cher dans ces lieux. Pausanias, géographe et voyageur grec du 1er siècle de notre ère, aurait pu endosser le rôle de vlogueur antique. Dans son texte Périégèse, il décrit tout ce qu'il voit à mesure qu'il avance le long de la voie sacrée du sanctuaire de Delphes. Tous les trésors défilent sous nos yeux, même ceux qui ont disparu avec le temps. En entrant dans la ville, on trouve une série de temples. Le premier était en ruine et le suivant était vide de toute statue, divine ou humaine. Quant au troisième et au quatrième, l'un contenait des statues d'empereurs romains en petit nombre, et le dernier s'appelle Temple d'Athéna, Pronoia. Une description d'époque de ce lieu mythique et mystique sur laquelle se fondent aujourd'hui les spécialistes pour réaliser des restitutions 3D des édifices disparus du sanctuaire. Si Pausanias a volé à notre secours, il reste beaucoup d'énigmes à propos de ce lieu et de son fonctionnement, notamment au sujet de la Pythie. La Pythie est le nom porté par l'oracle de Delphes, l'interprète du dieu. Des générations d'historiens se sont succédés sans qu'il soit possible d'affirmer son identité et son origine. Dans ce cadre-là, il n'y a que le mythe qui puisse nous éclairer. Comme pour d'autres récits mythologiques, tout commence avec une créature monstrueuse qui terrorise les habitants. À Delphes, ce n'est ni un minotaure ni une sphinx, mais un serpent-dragon, appelé Python, qui vit dans une grotte à l'emplacement du site actuel. Python est attaqué par le dieu Apollon et gravement blessé d'une flèche. Il s'enfuit dans le sein de sa mère, la Terre, par la brèche sacrée ouverte dans Delphes. Apollon le poursuit dans la brèche sacrée et, de ce combat, des vapeurs mystiques appelées Pythonis s'échappent. Ces dernières inspirent l'oracle, qui, de sa bouche, prononce les mots d'Apollon, sorte de prophéties obscures appelées loxias, capables de prédire l'avenir. L'oracle de Delphes prédit à Œdipe qu'il tuera son père et épousera sa mère, guérit de sa stérilité Égée, père de Thésée, conseille Héraclès durant ses travaux, et tant d'autres. Tant et si bien qu'il est presque impossible d'échapper à l'oracle dans la mythologie. Alors, une nouvelle fois, et peut-être est-ce la dernière, demandons-nous ce que les archéologues et spécialistes comprennent de ces récits mythiques et en l'occurrence du rôle politique, intellectuel et spirituel de la prêtresse de Delphes. L'une des premières recherches des équipes d'archéologues a justement été de retrouver cette brèche sacrée dans le sol d'où s'échappe le pneuma, autrement appelé le souffle, l'inspiration. On a compris que le temple était bâti par-dessus la brèche et que la Pythie se plaçait sur un trépied à la verticale pour en exhaler les vapeurs. L'oracle, sans doute une jeune fille vierge habitant Delphes, délivrait ses prophéties une fois par mois. Avant la consultation, moment de transe, elle faisait ses ablutions, buvait de l'eau de la source Castalie et mâchait du laurier.
plus que les hypothétiques vapeurs qui s'échappaient du sol et dont il n'existe aucun indice sur le site, ce sont sans doute les propriétés toxiques du laurier quand il est ingéré à haute dose qui peuvent expliquer la transe de la Piti. Elle répondait alors, dans un état de conscience altéré, aux questions des consultants de manière brève. Des membres du sanctuaire l'accompagnaient et avaient la charge de reformuler ses conseils sous forme de vers. Des assistants veillaient à ce que le feu près d'elle ne s'éteigne pas et sacrifiaient les offrandes des pèlerins sur un autel dans le temple. Tout cela était contrôlé par une sorte de clergé ou confrérie religieuse. Pourquoi Delphes ? Pourquoi Delphes est-il le centre du monde ? Ce lieu primordial où se bousculent tous les habitants réels ou imaginaires de la Grèce antique possède aussi un mythe concernant sa localisation. Ce flanc de colline n'a pas été choisi par hasard. Revenons à notre bloc de calcaire sculpté en forme d'ogive, l'homme phallos. Selon la légende, c'est sur ce point précis que se seraient rencontrés deux aigles envoyés par Zeus depuis les bords opposés du monde. Si l'on suppose que les aigles divins volent à la même vitesse, c'est imparable, c'est bien le centre du monde. L'homme phallos serait ainsi la première pierre du sanctuaire. Elle est décorée de bandelettes de laine qui symbolisent le centre religieux et philosophique du monde grec. Pour les archéologues, cette explication poétique n'est malheureusement pas suffisante. Il faut comprendre les facilités offertes par le terrain, sa géologie, son accessibilité. Construit à flanc de colline, le site a été choisi pour son emplacement sur un point haut, mais aussi et surtout pour la présence d'une source, la Castalie, qui fait de ce lieu un site favorable à l'établissement des populations depuis l'âge du bronze. Pour cette raison, à partir du 8e siècle avant notre ère, on venait de tout le continent pour consulter l'oracle. Des personnes privées, des représentants de cités, des souverains étrangers tels Crésus, roi de Lydie, et bien sûr, les héros de la mythologie. Delphes tient ainsi un rôle de premier ordre dans la colonisation grecque de la Méditerranée, puisqu'avant d'envoyer des colons outre-mer, on consulte l'oracle. Le nombre de monuments, de dons et d'inscriptions que révèlent les fouilles archéologiques à l'égard de la Piti témoigne de sa notoriété. Cela explique pourquoi la volonté de certains de s'approprier ce lieu, la cité de Crisa ou encore Philippe de Macédoine, et de dominer l'oracle, a généré plusieurs conflits. Delphes est une cité qui regorge de trésors, et les désirs d'appropriation et de pillage sont également nombreux. On estime qu'une bonne partie des donations ont été pillées. Certaines pièces incroyables, comme l'aurige ou encore les statues chryséléphantines, faites d'or et d'ivoire, mais aussi le taureau d'argent, ont été conservées parce qu'elles avaient été enterrées en 373 avant notre ère, lors du séisme qui provoqua l'écroulement du temple. Finalement, en 381 après Jésus-Christ, le sanctuaire est fermé par l'empereur Théodose. Les fouilles archéologiques ont débuté ici en 1840. Il a fallu 75 ans pour exhumer une bonne partie des monuments du site. Les œuvres sorties des fouilles sont devenues immédiatement et universellement célèbres. L'homme phallos, bien entendu, mais aussi l'aurige, la tholos et le trésor des Athéniens. Mais ce qu'on ignore bien souvent, c'est que pour découvrir les ruines de Delphes, il a d'abord fallu déplacer le village ancien, alors établi sur le site antique. Delphes, pour les Grecs, c'est aussi une histoire d'expropriation. Aujourd'hui, Delphi, ville moderne, n'a plus rien à voir avec le village du siècle dernier, tout en bois et terre crue recouverte de chaux. Tout ce territoire est à présent un circuit touristique bien rodé, aménagé de béton, et sa fonction agricole et son mode de vie traditionnel relégués au rang des curiosités, bientôt elles aussi archéologiques. Parce que Delphes fut élevée au rang de centre du monde, on s'est permis d'exproprier toute une population rurale, celle qui vit de ses productions agricoles et artisanales. Faire revivre les mythes en oubliant l'histoire d'un petit village, cela peut paraître injuste. Cela n'a pas lieu systématiquement. À Thèbes, la ville moderne subsiste, nous privant sans doute de vestiges magnifiques. À Athènes aussi, en partie. Mais à Delphes, la tentation de savoir où se situait le centre légendaire de la Terre primait sur tout, et les populations sont devenues négligeables aux yeux des archéologues. Oui, c'est aussi ça l'archéologie. Donner la priorité au passé de l'humanité sur les besoins des vivants.
l'archéologie implique toujours une part de destruction. Ici, quelques dizaines de maisons construites par des mains de charpentiers, déplacées pour restituer les origines glorieuses de la civilisation occidentale, mais aussi pour comprendre les origines des mythes.